Bonjour, bonjour mes amis. C'est une carte de la belle Normandie, France. Le duché historique de Normandie était un duché autrefois indépendant occupant la région de la Basse-Seine. Le pays de Caux et la région à l'ouest à travers le pays d'Auge jusqu'à la presqu'île du Cotentin et les îles anglo-normandes. La Normandie occidentale appartient au massif armoricain. Tandis que la majeure partie de la région se situe dans le bassin parisien. Les roches les plus anciennes de France sont exposées à Jaubourg, sur la presqu'île du Cotentin. La région est délimitée au nord et à l'ouest par la Manche. Il y a des falaises de granit à l'ouest et des falaises de calcaire à l'est. Il y a aussi de longues étendues de plages au centre de la région. Le bocage typique des régions occidentales a causé des problèmes aux forces d'invasion lors de la bataille de Normandie. Une caractéristique notable du paysage est créée par les méandres de la Seine à l'approche de son estuaire. Le point culminant est le signal d'Écouves, dans le massif armoricain. La Normandie est peu boisée. 12,8% du territoire est boisé, contre une moyenne française de 23,6%, même si la proportion varie selon les départements. L'Eure est la plus couverte, à 21%. Tandis que la Manche est la moins couverte, à 4%, une caractéristique partagée avec les îles anglo-normandes. Les îles anglo-normandes sont considérées culturellement et historiquement comme faisant partie de la Normandie. Cependant, ce sont des dépendances de la couronne britannique et ne font pas partie de la région administrative française moderne de Normandie. Bien que les Britanniques aient cédé leurs revendications sur la Normandie continentale, la France et d'autres possessions françaises en 1801. Le monarque du Royaume-Uni conserve le titre de duc de Normandie en ce qui concerne les îles anglo-normandes. Les îles anglo-normandes, à l'exception de Chausey, restent des dépendances de la couronne britannique à l'époque actuelle. Ainsi le loyal toast dans les îles anglo-normandes est la reine, notre duc. Le monarque britannique est compris comme n'étant pas le duc en ce qui concerne la Normandie continentale décrite ici, en vertu du traité de Paris de 1259. De la reddition des possessions françaises en 1801 et de la conviction que les droits de succession à ce titre sont soumis à loi salique qui exclut l'héritage par des héritières. Il y a beaucoup de rivières aussi, la Seine aux Andelys, la Brelle. Les rivières en Normandie comprennent la Seine et ses affluents, l'Andelle, l'Epte, l'Eure, l'Aril, le Robec. Et de nombreuses rivières côtières, la Brelle, le Couesnon, qui marquent traditionnellement la frontière entre le duché de Bretagne et le duché de Normandie, les Plongées, l'Orne, l'Assé, la Sélune. Les Touques, la Veule, et le plus court fleuve côtier français la Vire. Merci pour l'écoute. Abonnez-vous pour les meilleures cartes et pour l'amour de la Normandie.